être à cette rencontre. C'est un moment qui est extrêmement important, extrêmement énergisant. Et j'essaye de ne rater aucune des éditions. C'est un cercle qui réfléchit, qui met en œuvre et qui est à la pointe des engagements. Donc c'est un rendez-vous incontournable. Les 6 propositions du cercle sur les questions de la nature sont extrêmement ambitieuses. Moi, j'étais ravie de voir la question sur la rémunération, la question de la formation des dirigeants. Et en réalité, dans ces 6, on voit aussi un soutien extrêmement massif des Français, puisque c'était accompagné du sondage, qui montre que ces propositions sont en phase aujourd'hui avec la société. La moitié du PIB mondial dépend en réalité de la nature. Et donc, aller chercher soi-même quelle est sa dépendance et quel est son impact, c'est aujourd'hui une nécessité. Moi, ma volonté, en tout cas mon souhait, c'est que chaque entreprise prenne conscience de sa dépendance et de son impact sur la nature. Mais aussi d'aller un peu plus loin en réalité, finalement passer aussi à la renaturation des espaces, de réfléchir à son artificialisation des sols et de devenir, que ce devienne des automatismes au sein des COMEX par exemple. Donc le rendez-vous, c'est plus de philanthropie, plus de transformation de process de production bien sûr, une formation accrue des conseils d'administration et des comités exécutifs, et plus largement, dans le fond, la préservation de cette nature qui est aujourd'hui un bien précieux.